super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Corentin et Océane. Coucou les loulous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que qui est-ce qui a sonné à la porte ce matin? Le facteur. Le facteur. Et qu'est-ce qu'il a bien pu amener, le facteur? Un gros colis. Voilà, on ne voit plus. On ne voit plus. Alors je vous laisse deviner de qui provient le colis. Bah oui, bah bravo, Stéphanie d'Alsace qui nous envoie régulièrement des colis. Bah merci Stéphanie. Alors vraiment, on te remerciera jamais assez. Alors est-ce que vous voulez l'ouvrir quand même, oui, ce colis? Oui, ouais. Ça s'ouvre par là. Ça s'ouvre par là, ouais. Alors bah peut-être que ton frère va t'aider, non? Oui. Moins beau. Oui. Oui. Je te commence à la fin, ça sera. Alors Stéphanie, vraiment merci, hein. vraiment, parce que tu nous envoies mais vraiment souvent des colis. Tu es extraordinaire, tu es voilà. Vraiment généreuse. On sait même plus comment te remercier. Hein. Oui. Voilà. Alors les loulous, ils sont super pressés, comme d'hab, d'ouvrir le colis. Allez, Océane, hop. Non, on voit. Vas-y. Parfois en arrière, hein. Ouais. Ça y est, le colis est ouvert. Alors on va le poser peut-être à plat. Comme ça. Là. Ouais, des Kinder que je voulais depuis longtemps. Des Kinder? Oui. Des Kinder? Oui, des Kinder. C'est bientôt Pâques. Oh bien, des Kinder. C'est bientôt Pâques. Mais vous en avez un paquet chacun. Oh là, Stéphanie. Wow. Tu fais des heureux, là. Des gros Kinder. Qu'est-ce qu'il y a aussi, hein? Bon, on va poser de côté. C'est ça. Alors, regardez, il y a un gros gâteau. Il y a un œuf de Pâques. Wow. C'est mon gâteau d'anniversaire. Véritable nougatine artisanale. Waouh, il est trop beau, les amis. Alors, je pense que ça, c'est pour papa et maman. Oh là 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 là, il a l'air trop bon. En plus, c'est de la nougatine artisanale, les loulous. Alors, ça vient de Fort Wenger. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Alors, c'est, oui, c'est bien un œuf à la nougatine. Oh, trop bon. Trop bon. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, il y a un gâteau tout vide, mais tout gros. Et ensuite, bah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un moule. Un moule? C'est un moule. Apparemment, on le voit sur le derrière. C'est un moule pour faire un agneau. Mais c'est le moule pour faire l'agneau pascal d'Alsace. Eh ben écoute Stéphanie, je crois qu'on va le faire. Il y a même la recette derrière. Super. Alors on va refaire la recette en vidéo dimanche pour Pâques. Ça vous dit? Ouais. Oui. On va utiliser le moule. Alors par contre, Stéphanie nous a envoyé un petit mot. Alors Corentin, est-ce que tu veux le lire? Oui. Moi, premier, j'ouvre mes yeux. Tu ouvriras un œuf? Bah, que un seul œuf alors. Oui. Hein. On garde le reste. Normalement, il y en a quatre. Il y en a quatre, ouais. Alors vas-y, bah, tu peux lire le petit mot si tu veux. Cher Corentin, Océane, Sabrina et Franck, voici votre premier moule d'agneau de Pâques venu tout droit de votre abonnée Stéphanie d'Alsace. Regardez, mon œuf, comment il est découvert. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce qu'on dit à Stéphanie, les loulous? Merci. Ah oui, alors vraiment merci, parce que là, franchement, tu nous combles vraiment. Et là, bah, maman. Oui. Regarde, moi, je te passe, tu peux le montrer à tes amis. Oui, on va montrer. Oh, mais c'est trop beau, c'est une petite poule. Bah, alors moi aussi, petite t'en poule, oui, bah toi aussi, t'en prends. Par contre, ne les mangez pas tous, parce que sinon, vous allez être malade. Il n'y a pas qu'il y en aura plus sinon. Il n'y a pas qu'il y en a déjà plein. Voilà. Alors par contre Stéphanie, je pense qu'on va ouvrir le moule aussi. Oui, il y en a. Parce que moi je suis impatiente d'ouvrir le moule parce qu'on va faire la recette de l'agneau pascal. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Moi je tire les deux pour mes. C'est un gâteau traditionnel d'Allemagne. Voilà. Pas d'Allemagne, d'Alsace, n'importe quoi. D'Allemagne. Alors attendez, on voit plus les loulous avec vos Kinder. Voilà. Alors, je l'ouvre ou vous l'ouvrez? Tu l'ouvres, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Voilà, et là,
attention. Et là, on va chercher la surprise. Et voilà, voici la surprise. Waouh. C'est chouette. Alors, regardez les amis. On va faire des petits agneaux pour Pâques, on va en faire plusieurs, comme ça on en donnera à toute la famille, Stéphanie. Hein, on en donnera à papy, on en donnera à mamie. Un joueur de baseball. Alors ça s'ouvre comment ça? Alors, moi j'ai eu un petit lapin. T'as eu un petit lapin de Pâques? Moi j'ai eu quelqu'un qui avait du baseball. Oh trop bien, hein, c'est des surprises. Il nous a manqué plus qu'un. Puisqu'on en a deux. Il est où le flyer? Le flyer, il est là. Ah, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous avez pas ouvert Kinder en vidéo, tiens. Alors ça y est, moi j'ai ouvert le moule, voilà, qui est en deux parties. Donc à l'intérieur, donc, à mon avis, on le ferme. Alors on le ferme à l'aide de petits clips, voilà, qui sont là, qu'on met comme ça. Et puis après, on doit couler dedans la pâte et on le fait cuire. Et une fois que c'est cuit, eh bien, on n'a plus qu'à démouler. Oh, regardez les loulous, ça fait une super recette pour vous, ça. Oups là ! Regardez, il est joli ce petit agneau. Oui. Ouais, hein. Super joli. Regardez ce que ça a donné après. Wow. Wow, hein, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Donc dites-nous dans les commentaires si vous voulez la recette. De toute manière, ce sera la recette de Pâques. Parce qu'on n'avait pas de recette de Pâques. Il y en a plein. Merci Stéphanie. Et Corentin, ça, vous avez eu quoi dans les Kinder? Alors, là, nous avons la collection de Pâques qui sont avec des petits poussins et les petits lapins de Pâques. Alors, Océane a eu le lapin avec la fleur. Maman. Et Corentin, celui qui chante au micro, c'est ça? Non, celui qui joue du baseball. Ah, celui qui joue du baseball. Oh, il est où? Ah, il est là. Il est là. Voilà. Maman, et le disque qui tourne, il tourne pas. Le disque qui tourne la petite fleur. Tu vois? Voici le petit lapin d'Océane qu'elle a eu pour Pâques. Un joli petit lapin avec sa petite fleur toute douce. Il est trop choupinou. Et ensuite, Corentin, il a eu bien un petit poussin qui joue au baseball. Voilà. Et chocolat est toujours bon? Ouais. Ouais, hein, vous êtes des gros gourmands. Hein. Par contre, celui-là, il a l'air extra bon. Alors, je vais l'ouvrir. Il n'a pas été cassé pendant le transport. Hop. Voilà. Oh, wow, trop bon. On va se régaler. Et nous aussi. Vous aussi, oui. Bah oui, c'est pour toute la famille. Voilà. On remet dans son emballage. Et on le fait dormir. Et on va le faire dormir jusqu'à Pâques. Jusqu'à Pâques, vous croyez qu'il va tenir jusqu'à Pâques celui-ci? Non. On connaît deux. Je crois pas, non. Je crois qu'il sera mangé avant Pâques. Hein. Je crois qu'il sera mangé à mon anniversaire. À ton anniversaire, tu crois qu'il sera mangé? Moi, je crois avant aussi. Hein. Aujourd'hui, alors, ce vraiment, soir. Il est super, super, super beau. Ce soir. Il est super beau. Alors, on est trop, trop contents. Stéphanie, vous êtes content, vous? Oui, moi, je suis contente de manger du chocolat. T'es contente de manger du chocolat? Vous êtes contente, vous allez pouvoir tester une nouvelle recette? Oui. Ouais. Mais ce week-end. Ce week-end, oui, tout à fait. Parce que ce week-end, c'est quel week-end? C'est le week-end de... Pâques! De Pâques! Et de mon anniversaire aussi! Oui, ça va être ton anniversaire aussi. On a prévu quelques vidéos. Peut-être qu'elles sortiront pas à l'anniversaire d'Océane. Mais ça va être ton anniversaire, tout à fait. Oh les loulous, vous avez vu ce super moule comme les rigolos? Oui, les loulous, un petit agneau. Les rigolos, hein. On peut même en faire pour Noël, tiens. Parce que l'agneau aussi, il est dans la crèche un peu. Ah oui, et on le fera tout blanc. Bon, en fait, nous, Stéphanie, tu sais quoi, on est tellement des gourmands qu'on va pas l'utiliser qu'à Pâques ou aux occasions, on va en faire tout le temps parce que ça m'a l'air très très bon. Et les gros gourmands, je pense que ça va. Et regardez ce qu'il faut rajouter. Il faut rajouter ça, ça et ça aussi, on adore. Ouais, on rajoutera du sucre glace. Enfin, on va voir la recette. On ne connaît pas la recette, on n'a jamais goûté. J'en ai déjà vu, j'ai déjà entendu parler. Mais on n'a jamais goûté. Ah, on a vu là-bas derrière.
Merci Stéphanie pour ton colis de Pâques. Ah ouais, c'est un colis spécial Pâques. Bon, vraiment merci. Et puis bah, promis, on fait la recette dimanche. On a fait dimanche ta recette? Oui, promis, ouais, j'aurais craché. Et puis je pense qu'on va en donner un peu à toute la famille. Oui. Tu vas faire plein d'euros autour de toi parce qu'on a que les gourmands autour de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait à Stéphanie? Il fait un gros bisous. Les petits amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous, petit lapin. Bisous, petit lapin, les petits poussins. Bisous. Et le poussin qui fait des bonnes. Et un gros bisou pour Stéphanie et sa petite fille. Bisous. Maman, regarde. Mais c'est pas un jouet, c'est un moule pour faire des gâteaux. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est montagne pour eux.